Wow, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Si je vous appelle chez vous, c'est extraordinaire. Mais ce que nous voyons à l'écran, c'est ce qui s'est passé le samedi 12 octobre dernier. Un hôtel aux États-Unis en construction, un hôtel en construction aux États-Unis, s'est tout simplement effondré, faisant un mort et plusieurs blessés, ainsi que plusieurs autres personnes disparues. C'est un truc étrangissime. Un Hard Rock Hotel en construction s'effondre à la Nouvelle-Orléans et un mort et deux disparus. Je suis blessé. Waouh, ça c'est un truc de ouf. Dans cette vidéo, nous vous présenterons les images de ce grand problème qui a eu lieu. Franchement, vous serez même dépassé par ce que nous allons voir ensemble. Si vous savez que vous serez un peu choqué par ces événements pareils, s'il vous plaît, veuillez regarder la vidéo suivante. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par la première image. Soyez prêts. Ok, regardez ça. C'est pas comme les autres. Là, nous sommes à fond les ballons. Nous sommes dans la sauce. Regardez même. L'hôtel est en train de s'effondrer comme ça, juste comme ça. Juste comme ça, c'était l'hôtel en construction. Waouh! Waouh! Et l'hôtel s'est effondré, vous vous en rendez compte? C'est tragique. Personne n'était préparé à cela. Personne n'était vraiment préparé à cela. Comment peut venir de telles catastrophes? C'est quand même hallucinant. Regardez ça. Regardez ça. Ça fait, on nous dit que 1 à 2 morts et plusieurs blessés, sans compter les disparus. C'est une information terrible. J'ignorais cela jusqu'à ce que j'ai entendu l'information aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est vraiment terrible. Si vous avez la vie, si vous êtes en vie, dites même Dieu merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui pouvaient peut-être vous jeter la vie. Mais Dieu vous a épargné de beaucoup de choses. Oui, regardez ça. Qui aurait cru? Moi-même, quand j'ai vu ça, je me dis, mais waouh! Ces gens ont une forte connaissance pour pouvoir construire des hôtels très solides, même des buildings. Comment, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'effondre comme ça? C'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, dans la vie, il faut vraiment faire confiance à Dieu. Nul n'est vraiment parfait. Même si quelqu'un a de l'expérience en la matière, ça ne veut pas dire que de tels problèmes ne peuvent pas arriver. Tout peut arriver. Il faut juste confier nos projets à Dieu et que Dieu lui nous guide. Il ne faudrait pas qu'on s'appuie sur nos propres sagesses. Si vous êtes sorti le matin et que vous avez bien travaillé, que tout s'est bien passé, c'est la grâce de Dieu tout simplement. Ce n'est pas par votre force. Tout pouvait arriver. Mais si Dieu vous a maintenu en vie, dites-lui merci avant de vous endormir. Dites-moi merci Seigneur pour la vie que j'ai, pour tout ce que tu as fait aujourd'hui. Merci infiniment. Voici un blessé qui est là et ses amis essaient de le secourir. Comme vous voyez, c'est terrible. Ce sont des images choquantes. Franchement, c'est hallucinant. Vous avez l'impression d'être dans un film. Waouh! Regardez ça! C'est vraiment impressionnant! Et tous les ouvriers sont maintenant là, en train d'observer ce qui vient de se passer, en remuant la tête. Peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils se disent: Ah! Ça pouvait être moi! Ça pouvait être moi! Oui! Ça pouvait être quelqu'un parmi ces gens que vous êtes même en train de voir ici. Ah, est-ce que vous pouvez imaginer le choc émotionnel que ces personnes ont dû avoir, ou même ils ont en ce moment, et les personnes sont à l'hôpital parce que ces personnes sont vraiment blessées. Il faut prier pour que Dieu les rétablisse, que Dieu les rétablisse déjà. Vraiment, c'est pas de la blague, peut-être que vous n'étiez pas informé. C'est pour vous que nous faisons cette vidéo, pour vous dire qu'il faut me garder tout chelou dans le monde. Hein.
Elle était vraiment chelou. On ne vous montre pas très souvent des telles choses à la télévision. Mais il y a des trucs chelous dans le monde, des trucs bizarres. Regardez comment l'hôtel est devenu. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question que je me pose. Jusqu'à là, je réfléchis, jusqu'à je me dis, vraiment, qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous sommes intelligents, nous avons de l'expérience. C'est pas aujourd'hui qu'on fait ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? C'est pas de la plaie regardée. Et cet hôtel est en construction, plein d'agglomérations comme ça. Et s'il y avait des passagers, des passants, peut-être que ça crée aussi des problèmes. Regardez comment ça s'effondrait. C'est comme ça, hein. On voit la poussière partout. Regardez cette masse de fer qui est en train de tomber. Ah! Waouh, regardez même l'image. Regardez ça. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment très, 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 très impressionnant. Hier, nous avons montré ce qui s'est passé au Japon. À la fin de cette vidéo, vous allez voir cette vidéo qui va partir ici. Vous serez même surpris par tout ça. Et voici qu'aujourd'hui encore, c'est terrible. Donc, le 12 octobre et le 4, le 12. Et le 13 octobre, et t'as des trucs chelous dans le monde, hein? Aux États-Unis, il y a eu ça. Au Japon, là, c'est un typhon qui s'appelle Agibis. Ce typhon a fait plusieurs morts. Hein? On nous dit que plus de 30 morts, hein? Et plusieurs personnes disparues. Certaines personnes sont mortes dans leur voiture. C'est étonnant. Il y a un bruit, les maisons sont remplies d'eau, vraiment. Ce que nous voyons ces derniers temps, c'est pas de la blague. C'est un truc de ouf. Regardez ça. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité. Tout est vanité. Regardez vous-même. Comment je vois ça, je me dis, mais waouh, hey, Seigneur. Oh, il y a un hôtel, il y a un immeuble juste à côté ici. Regardez l'immeuble qui est là. Comment les gens ont fait pour construire ça sans qu'il y ait des problèmes? C'est la grâce de Dieu, tout simplement. Hein? C'est juste la grâce de Dieu. Dieu a sa main sur nous. Ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment impressionnant quand même. Regardez ça. Et regardez même. Building. C'est tout géant. Waouh, c'est assez impressionnant. Impressionnant. Regardez même ça. Ça, ce sont les images de l'effondrement de cet hôtel en construction que nous vous montrons. Franchement, c'est hors du commun. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Vous avez trois autres chaînes, en cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à notre page d'accueil où vous ferez nos trois autres chaînes. Yang Steve, Yang Sobon 2, Yang Sobon 3. Abonnez-vous sur ces chaînes et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Une vidéo apportée également sur le camp. Vous êtes de Seigneur Sobon. Vous pouvez la regarder. Waouh, regardez comment ça s'effondrait. Seigneur Jésus, ta grâce.